Bon, excusez-moi, j'ai oublié de vous montrer ce match-ci. Avec Lithium. Donc, j'ai perdu mes 4 matchs joués contre lui. En date du 27 octobre. J'ai tenté de la vaincre avec Yoshi, mais ça n'a pas fonctionné. J'ai voulu le tester, mais il n'a pas bougé d'un poil. Ce qui prouve que c'est un joueur peureux. Puis il m'a vraiment maltraité. Il n'avait pas besoin de me faire son reflet pour mettre KO. Alors qu'il est plus fort que moi. Dans le fond, lui, quand on bouge pas, il bouge pas. Il est genre comme buggy. Il bug sur place. Ça, c'est bien ça. C'est bien de faire ça. Mais attends pas que je reviens. C'est ça que j'ai trouvé plat, c'est qu'il mettait son reflet pour me vaincre. C'était chiant au bout, là. Faire ça à ce moment-là. T'es capable d'utiliser son bouclier, mais après ça, il faut qu'il mettait son reflet. C'est vraiment poche. Moi, pour vous dire, moi, je trouve ça vraiment poche. C'est pas comme moi, quelqu'un qui utilise en cas de dépannage. Il n'y avait aucun besoin de le faire. C'était à peine à 79% là. Ça, c'est chiant les esquives barrières. Il aurait pu quand même essayer un smash pour la fin. Ça aurait autant fonctionné s'il l'aurait fait au bon timing au lieu de me faire encore une attaque dorsale de shoot. De toute façon, il n'y a rien à perdre. Il y a deux vies, là. Il y a un peu plus de casse que ça. Bon, ça, c'est bien. Regardez, encore bouclier. Tout en train d'éviter mes smash, puis c'est saisi à tout bout de champ. Mais moi, ce que j'ai trouvé poche, c'est qu'il a même pas réagi à ça. Je pense qu'il a fait exprès pour me laisser une chance. Qu'il me prouve son infériorité. Regardez ici. C'est pas... Puis ferme ta gueule avec ton... c'est pas assez fort. Je m'excuse, je travaille fort. T'as aucun besoin de faire cette moquerie-là. C'est toi le poche qui me fait un acide de reflet pour mettre KO, faire exprès de me faire ça. Écoute, tu viens de mourir là. Tu viens de mourir. T'es pas obligé de le faire. Tu peux me faire un smash show puis je serais bien content. Comment t'essaies autre chose que faire ce KO là? Moi, je sens vraiment que tu m'as maltraité durant les 4 matchs qu'on a joué ensemble. Il y a peut-être le premier match que j'aurais pu l'emporter, le deuxième aussi. Mais là, moi, je sens que dans ce cas-ci, je sens vraiment que tu ris de ma face. Comme dit. Tiens, le pourri. Mais c'est qui le pourri là-dedans? T'sais, moi, je m'efforce d'essayer de te vaincre là. J'ai quand même essayé 4 fois avant que tu pars. J'ai de te battre avec mon meilleur élément. Là, disons que cette test n'a pas fonctionné. On peut pas réussir à tout coup. Mais au moins, il a bloqué quelques-uns de mes coups. C'est déjà positif. Même utiliser son reflet à la fin là, pour me mettre KO là, instantanément, moi j'ai pas apprécié du tout.
C'est correct qu'il me le fasse une fois, mais qu'il me le fasse pas une deuxième fois. Je peux essayer autre chose pour mettre KO. Il aurait pu faire un smash show. Ça aurait bien fonctionné. Bon timing. Prendre un risque. Il pouvait le faire. Il était à 0%. T'étais à 0%. C'est pas comme si tu serais à 110. Je peux même pas dire que mes coups sont pas assez puissants, Krim. Je fais de mon mieux pour... moi, mes smashs sont toujours puissants, mais tu réussis tout le temps à les éviter avec ton bouclier ou à les esquives bas, là, au sol, là, qui est pas mal chiant. Moi, je me faisais manger les coups, puis ça me dérangeait pas. Mais ne dis pas que mes coups sont pas assez forts. Moi, j'ai trouvé une manière originale de te mettre KO sans que ce soit toujours la même chose. Dans ce cas-ci, c'était un coup de queue vers le haut. Hein? Deux fois. Une, deux vendues. En tout cas, moi j'ai trouvé ça maltraité, mais en tout cas, je vais oublier ça là et passer à autre chose. Bon, cette fois-ci, je vous souhaite tous une bonne soirée, puis on se reverra en novembre pour d'autres vidéos sur Super Smash Bros. 3DS.